Bonjour, bienvenue à Hashtag. Oh, cette semaine qu'on a une belle semaine. Oui, notre invitée, c'est l'humoriste Mélanie Ganimé. Bravo. Ouais, pas d'applaudissements, c'est sûr qu'on est deux, c'est moins. Ben oui, pas c'était doux, c'était très doux. On donne tout ce qu'on a, on donne tout. C'est fait. On essaie de pas faire pleurer notre gars de son, je pense. C'est pour ça qu'on se garde un petit gêne. Ouais, il fait bacon. Ouais, on est mort. Il saigne. Bon, ça y est. Ben, sur un segment de notre preneur de son, notre co-animatrice. Elle ne nous quitte pas, voilà. Ouais, on l'aime tellement. Camille, merci d'être avec nous, c'est un plaisir. C'est un plaisir, réel plaisir pour moi aussi. Ouais. On l'a pas traumatisé. Écoute. Non, ça c'est. J'étais un peu tannée, là. Êtes-vous ready? On est ready. Woo! Notre premier sujet. Bon, selon une récente étude, oui, 4 millions de célibataires seraient célibataires au Canada. Ben oui. Ah. Et de plus en plus, les célibataires recherchent sur le web, hein, bien sûr. Absolument. Oui, ben oui, ben oui. Ouais, c'est rendu la place de choix, puis il y a quand même 1500 sites de rencontres quand même. Oh. Ah, ouais! 1500, okay. Ça, j'étais pas au courant. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il y a pas mal de doutes dans leur fond du sol qui se disent « J'ai trouvé comment faire le deuxième lave-à-linge. » C'est juste à dire qu'il y en a un s'intéresse, ça s'appelle « Faucon trouve » avec un faucon. OK, il y a élite senior pour les vieux. Il y a ça. Le Zoox, ça je connaissais pas ça. Match puis Our Time. Bref, ma question de pour vous. Je connais pas. Ouais, je suis pas une. Si je suis pas une moi non plus. Je t'en couple aussi. Bref, ma question pour vous, c'est est-ce que dans le fond la rencontre sur internet, c'est un outil que vous trouvez important là pour trouver l'amour ou sinon vous pensez en général que c'est une attrape puis une déception pour plus d'un? Ça marche-tu, selon vous? Je pense que ça peut briser la solitude. Là. Souvent, on est beaucoup à la maison. On n'a pas toujours l'opportunité de sortir. Oui, ouais, moi, je pense. Je pense qu'il y a un bon côté. Là. C'est sûr qu'il peut y avoir des mauvais côtés, comme dans tout. Mais c'est le fun pour les trucs seniors. T'sais, moi, j'ai un de mes oncles, t'sais, comme ma tante est morte. Puis comme, il y a fait son deuil. Je me suis dit 40 ans! On sait jamais! Non, 40 ans de mariage, j'ai pas 40 ans. Ah, OK! J'étais comme toujours 40 ans, c'est possible. Ils sont en soixantaine avancée, tu sais, c'est des années de ta vie. Puis là, t'es comme pouf! Tu sais, c'est comme retourne. Tu peux retourner dans les bars. Mais non. C'est weird, un monsieur qui cherche un bar. Tu sais, je trouve que c'est bien pour. Parce que t'as passé à autre chose dans ta vie. Mais tu vois, moi, je trouve ça bien parce que c'est un autre style de contact, puis tu peux y aller à ta vitesse, tout ça. Mais en même temps. Puis des fois, ça peut être gênant de rencontrer des gens en train d'acheter. Mais toi, t'es célibataire en ce moment. Est-ce que c'est un outil que Moi, je l'utilise pas parce que je trouve que c'est trop long. Ah oui? Hey, mais c'est interminable. Salut, ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Gna, gna. Oh mon Dieu, c'est long. Puis là, c'est de l'investissement. Puis là, tu sais, les gens, ils te répondent. Mais tu me réponds pas. Ben oui, mais je travaille. Tu sais, je veux dire, là, tu travailles, puis là, c'était ça, job. Là, faudrait que je réponde. Tu rentres, il est 3 heures du matin, fait, tu réponds en 3 heures. C'est beaucoup d'investissement. C'est bien trop d'investissement. Ça prend bien trop de temps, puis c'est tellement long, niaisage. Puis en plus, je dois être snob parce que plus tu as des fautes, plus je m'en vais. Oui, notre prochain sujet. Avez-vous entendu parler de ça? Le retour des Spice Girls. Est-ce qu'on a le droit de dire encore? Non, ils n'ont pas comme. Mais est-ce que c'est un comeback et pas long? Ah oui! Je m'en souviens. Ah, ça revient. Je suis un peu comme RBO. En 2007. Eh bien, faut le tourner, écoute, ils disparaissent dans. Ouais, semblerait-il que cette fois-ci est la bonne, selon le journal The Sun. OK. Fait que toutes nos petites vedettes Spice Girls préférées sont de retour. Mais ils vont faire quoi? Ben là, ils vont faire quelques concerts, une nouvelle compilation de leurs meilleures chansons. Ah, fait que c'est encore les mêmes tunes. Ben oui. Oui, je pensais ça. Ils sortiront pas. Ouais. Comeback, mais genre nostalgie. Doobie comme moi. Il y en a une qui n'est pas comme Victoria's Secret, elle n'a pas besoin vraiment de faire de la tournée. Victoria's Secret! C'est pas à la fois, qu'est-ce qu'elle a, genre? Victoria Beckham! Non. Il y en a une qui a les grosses boutiques de lingerie. C'est ça, je te dis. Oui, c'est elle. Ah, ouais? Attends, c'est les gars. Il y a Victoria. C'est elle, genre Victoria. Melby, merci. Puis qui manque? Oui. Ginger. Faites vos recherches. C'est fort, très fort. Fait que Victoria's Secret, la compagnie a été achetée par une des Spice malades. Non, c'est elle qui l'a parti. C'est à elle. C'est elle qui a parti ça. Puis maintenant, c'est à elle. Puis elle fait juste faire comme. Là, le gars. On va prendre Google. On va tout vous écrire après. Fait que là, allez chercher l'info quand vous écoutez la. Parce que nous, on va débattre encore. Est-ce qu'elle peut faire des recherches et me confirmer que j'ai raison, s'il vous plaît? Hé!
on me confirme à l'oreille que oh, c'est non! C'est qui d'abord qui a un truc de c'est lingerie? Qui? On confirme qu'il y a des spagueuses qui a un truc de lingerie. On parle de nostalgie ici, beaucoup. Ouais. Puis vous, est-ce que vous êtes nostalgique? Ou vous, le passé, c'est le passé, puis ça devrait rester là? Mélanie? Bien, moi, ça, je trouve qu'il y a des, mettons, des tounes qui vont rendre nostalgiques parce que tu vas les associer à des émotions ou des souvenirs. Ouais. Ça, je trouve ça le fun, mais je suis très à venir. Ouais. Ah ouais? Ouais, mais je vais être nostalgique pour faire du ménage. Hein? Je vais être nostalgique. À part ça, mais je suis pas si nostalgique. Tu sais, il y a des gens qui sont très nostalgiques, qui vont triper ces années 80 parce qu'ils ont grandi là. Je suis un peu de même. Ah, c'est moi, j'ai pas ça. Ah, non, mais moi, en fait, je suis nostalgique peut-être de mon enfance, de moments de mon enfance que, tu sais, ça peut plus arriver aujourd'hui, puis que je trouve ça full nice de me rappeler. Regarder des photos, mes vieilles photos, je trouve ça tellement hot. Ouais, les bons être nostalgique des bons souvenirs, c'est le fun. Ouais. C'est parce que de la nostalgie, de je me faisais battre quand j'étais jeune. Sur truc, j'avais trouvé ça beau, c'était que la nostalgie, c'était souvent une liqueur triste qui en valait la peine. Mais c'est bien. Fait que de temps en temps. À petite dose. Mais ça, là, est-ce que c'est une phrase qui vient d'une Spice Girl? Non. Parce qu'on n'est pas sûr. Bon, on finit sur cette confusion de ma part. Avec un petit jeu. Oui! Voyons donc! Un petit oui ou non, très simple. Alors, je vais vous poser trois petites questions. Si vous avez des anecdotes, lâchez-vous lousse. Oui. Et si les anecdotes, vous n'avez pas d'anecdotes à raconter, ben retenez ce lousse, tout simplement. C'est excellent. On aime ça, des bonnes anecdotes seulement. Par accident, j'ai déjà mis le feu à quelque chose. Ben non. Oui, ta tête. Moi, je vais me servir de ça. Oui. Ouais. Oh, qu'est-ce que t'as brûlé? Oh mon Dieu, c'est intéressant. C'était ma première communion. Non, ça, c'est malade. Quoi? Je veux déjà l'anecdote. Oui, c'est une sorte de chandelle dans l'église. On m'avait donné une chandelle, puis moi, j'étais très contente. Il y avait des gens qui... Il y avait des parents qui filmaient des enfants pendant la première communion. Est-ce que t'as brûlé des enfants? Ben oui. Mais voyons donc! C'est bien terrible! T'as-tu crié c'est ça en feu, genre de comme dans Carrie, là, son film? Non, mais comme c'était pas un désastre total, j'ai juste mis le feu dans les cheveux du petit gars avant de moi en marchant parce que je regardais les caméras des parents qui nous filmaient puisque j'étais comme « I'm a star ». Tu comprends? Oh my God! Le lampion dans les cheveux! Ça s'est mis... Oui, mais c'était comme une chandelle avec un cop, tu sais, pour pas que la cire nous coule sur les mains, comme des enfants. Mais ça a pogné en feu ses cheveux. Eh hey, mais ça a flambé d'une shot là. Puis tu sais, j'étais en robe avec des paillettes blanches puis des gâchelins dégueulasses. Tu sais, une première communion. T'avais-tu des cols en blanc? Mais oui, tout était blanc. Là. Ça allait pas bien la vie, c'était terrible. Puis mais c'est que ça a tout brûlé. Puis là j'étais comme oh ça va vite, tu sais parce que j'avais jamais brûlé des cheveux, j'étais un enfant. Puis là, tu sais, ça. Antiminou sec. Puis là, lui, il s'est pas rendu compte de rien, tu comprends? Il a juste tout perdu. Puis moi, je sais pas quoi faire. Mais je me suis mis à flatter ses cheveux comme, tu pour enlever la petite cendre. C'est comme, c'est beau, tes cheveux, c'est beau. C'est très beau. Oh, mon Dieu! Écoute. Ah, mais là, tu regardes ça, hey, ça flambe vraiment vite. Mais oui, mais tu sais, j'ai comme des petits lulus avec des mots panique du feu. Genre. Non, mais c'est ça qui est triste, c'est que c'est filmé. Tu sais, tous les parents ont ça sur un tape en quelque part, que j'ai brûlé quelqu'un. Mais c'est parce que cet enfant-là, c'était l'enfant de quelqu'un. Fait que la mère a vraiment filmé son enfant burn. Oui, mais lui, il l'a pas senti. Ça a comme fait un genre de patch de sec. Mais. Tu sais, ça y a pas fait mal. Oh, c'est parfait. Est-ce que tu es capable de décrire le petit mouton? Fait que tu t'en es jamais rendu compte. Non, il s'en est jamais rendu compte. Okay. Mais quand j'ai flatté, ça l'a fait toute la cendre sur son col blanc. Puis là, j'essayais de frotter son col blanc. Puis plus je le frottais, ça l'a juste ça étendu. Ça, j'ai fait, j'ai juste changé de place dans le line-up. Ben merci tout le monde. Mais voyons donc, déjà! C'est si rapide! Et puis avant qu'on vous remercie de venir, là, je veux faire une belle parenthèse parce que... On dirait que je suis dans un infopub. Mais voyons, c'est si rapide! Merci tous les commanditaires pour la saison 1 qui nous ont soutenus parce que, waouh, vous êtes vraiment hot. C'est un projet qui commençait puis vous avez pris le risque de vous associer à nous. Alors, on vous aime vraiment beaucoup. Merci. Je remercie spécialement le spa scandinave du Vieux-Port. Waouh, c'est mon spa préféré. Il est malade mental. Les vêtements Jack and Jones, hein, tu sais, quand même, hein, c'est beau. Fait que, ils ont mis Simon bien cute la plupart des épisodes. C'est pas beau d'habitude, t'habilles comme une sienne. Les produits pour le corps, Reversa, les produits canadiens qui sont vraiment malades, bio, toutes les
kit. Ils sont hot, ils sont hot, ils sont hot, ils sont fins. Puis c'est ça que je disais à chaque invité, elle faisait un petit sac cadeau. Même les, elle écrit un beau petit message à tout le monde. C'est cute, c'est cute. Très gentil. Mugodio pour le son et Lucam pour la lumière. Si on a de la lumière, c'est ça. C'est un peu sombre, puis mouillé pas. Oui, c'est ça, c'est grâce à eux. Puis notre maquilleuse aussi, Heidi Doucet, qui est notre maquilleuse, est hot, tu sais, elle fait le Cirque du Soleil. Fait que, puis elle vient juste ici, ça. Juste ça, petit job-in. Puis là, pas de commentaires sur en bas, genre, oh, vous êtes pas déguisé en clown. Non, non. Ben non, elle fait pas juste du maquillage de clown. Bon. Entre autres. Un gros merci. Un gros merci. Eh hey, bien, oui! Merci, mon Dieu, ça va être fun. Ça va bien trop vite. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Ah, bien, on peut me retrouver. Hé, hey, là, savez-vous où est-ce qu'on peut me retrouver? Je vais faire le Lion d'or le 2 février. Oui, parce que je suis en train de préparer mon show. Mon show s'appelle Mélanie Ganemé. Je me prépare. Puis là, je fais 1h30 de blagues. Je regarde pour monter un jour mon premier One Woman Show. Puis là, je suis textée parce que je me suis fait des salles. Puis là, j'ai dit, hey! J'y vais pour le Lion d'or. Go! 250 places, ça va être le fun. À date, les gens aiment beaucoup ça. Je suis très contente. C'est vraiment le fun. Fait que je me promène un peu partout, mais là, ça va être 1h30 de moi toute seule. Sinon, sur Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, Twitter, allez-y pas vraiment parce que je vais pas. Mais il faut y aller. Moi, je suis pas là. Ouais, on comprend. Moi, j'y suis sur Twitter. Oui, toi, t'es partout. Toi, t'es comme. Toi, t'es l'Internet. Écoute, c'est moi. Internet. Toutes les bugs, c'est sa faute. Ouais, d'abord, c'est pas vraiment moi. C'est elle, PayPal. C'est elle, PayPal. Oh mon Dieu, c'est toi, PayPal, faut qu'on se parle. Tabarnak, quand je me suis pognée que ça. Okay, excuse-moi. Pauvre Camille. Je m'en vais. Non, l'Internet va t'en pas. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn. Tout. LinkedIn, tu y vas, tu prends. Je suis dessus, mais je. Non. Ça, c'est mort. Tu vis ton LinkedIn comme je vis mon Twitter. Moi, j'aime ça Twitter. Il y a plein de monde qui disent que c'est mort, mais j'ai... Moi, j'essaie plus, ouais. Je trouve que la communauté à laquelle je me suis greffée... Nous autres aussi, on est sur Twitter, hashtag, hein? Facebook, Instagram. Ça, c'est pas notre plateforme la plus active. Ben, en tout cas, ben, on lit tous vos messages, parce que ça nous touche vraiment de vos beaux messages. Les bons, en tout cas. Et voilà, c'est dit. Un gros merci pour ton mot, un gros merci d'avoir accepté. Merci à vous, c'est très cool. Merci. Et puis, nous, évidemment, comme on dit à tous nos réseaux sociaux, on se revoit dans une peut-être, qui sait, peut-être une saison 2. Hey, je vous le souhaite! On ne sait pas, qui sait, l'avenir nous le réserve, mais sinon, on vous souhaite une bonne fin d'année. Merci de nous avoir écoutés, merci à tout le monde, merci à nos commentaires. Bye, on vous aime! Salut de la reine, attention tout le monde, à la prochaine. Salut de la reine. Avec une face un peu dans le bain, plutôt.